Salut à tous, bienvenue une fois de plus pour cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Dans ce numéro rétrospective de Vision et Espace, 12e expo solo de Jayan Sadha Singh, suivez la ligne. Du 24 au 29 mars 2022, l'espace du Playground au Kodan Art Center accueillait les œuvres de Jayan Sadha Singh pour une exposition rassemblant peintures et sculptures en bois. Vétéran du paysage artistique mauricien et international, l'artiste en était à sa 12e exposition solo, une exposition qui reflète aussi la volonté de l'artiste de communiquer ses valeurs personnelles. Une abondance de couleurs chaudes et pétillantes, une récurrence de motifs évoquant des spirales et des lignes de composition contrastaient avec les formes sobres, minimalistes, taillées dans le bois. L'abstraction imbibait fortement cette collection harmonisée sous le nom de Vision et Espace. L'artiste aura bénéficié du soutien de la National Arts Fund pour cet opus. Jayan Sadha Singh, sa exposition appelle Vision et Espace, 12e solo, qui une rôle de montrer, est-ce que c'était une rétrospective justement de bonnes travaux qu'on fait jusqu'à maintenant? Moi, mon film choisirait ce titre-là, Vision et Espace, pour adresser la société même, que toutes les personnes, tous les gens ont une certaine ambition, certains rêves, certaines. Il y a une petite chose que tu as envie de faire dans ta vie. Ou réussir dans sa field là, j'ai besoin de lutter, j'ai besoin de combattre, j'ai besoin de bouger, sinon je rêve pour épanouir comme ça même dans l'air. Je viens de prendre un peu d'objets, un peu dans l'espace, un peu de tout, qui me viennent montrer qu'il y a beaucoup d'obstructions qui sont dans la vie. À travers mon dessin, je peux expliquer que le monde a besoin de lutter complètement, besoin de débattre, besoin pour se bien dans la vie, pour toute sa famille même, pour la société même. Les gens qui à l'entrée là, côté Paul, justement, qui ont une peinture, une sculpture, et ils représentent une l'émotion, une expérience qui ont fini gagner pendant l'enfance, etc. Donc, ce que tu as justement, et moi décrypter ça va tableau, parce qu'ils ont choisi justement un peu l'abstraction. Mais voilà, mais qui ça va l'émotion là, qui ça va l'épisode là, qui est dans là-dedans? Dans mon dessin, mon film collectionné. Bonne expérience, bonne passé. Depuis le passé, je fais une bonne expérience qui vient dans mes mémoires, qui vient toucher moi beaucoup, beaucoup profondément. Je fais exprimer moi dans ce bonne tableau-là. Bonne conséquence, l'événement qui, plutôt, n'est pas personnel pour moi, même les touche moi. Il touche la société en général. Ben, je exprime lui dans ma créativité. Et ça, l'influence venait depuis petit, depuis l'environnement, depuis la famille, depuis la société même. Et je viens de décrire lui parce que nous, artistes, nous ne sommes pas capables de décrire trop beaucoup en mots, en comment dire, l'écrivain, tout quelque chose. Nous décrivons lui en couleur, en forme, en ligne, en différentes facettes de créativité. Au niveau des couleurs, bon, c'est vrai qu'il a une peinture, même s'il y a justement une interaction des couleurs froides et des couleurs chaudes, mais c'est vraiment une couleur chaude qui prédominait et il y a une abondance de van orangé, van rouge, etc. Voilà. Est-ce que tu as cause, moi, justement, de sa palette qui est fin choisie là, qui dit pour le traduire? Oui, justement, je suis servi couleur rouge, beaucoup qui peut dominer la plupart dans mon tableau, peut dominer. Ben tableau là, parce que mon
terme, c'est la vision, pour accomplir sa vision. Parce que rouge signifie qu'il y a une relation avec du sang même, il y a une relation avec le soleil, il y a une relation avec courage, il y a une relation avec effort et l'énergie. Parce qu'à travers ce rouge-là même, qui, le matin, si nous guettons ce soleil-là qu'on l'élevait le matin, peut-être pour remarquer, et non, ça va être quelque chose là dans mon tableau, mais quand il lève, ça veut dire nous, personnes, nous ici, nous avons besoin de rester dormis. Nous avons besoin d'actifs, nous avons besoin de prendre notre travail, nous avons besoin de lutter pour le bien même. Un motif spirale qui est trouvé à différentes échelles. Voilà, il en fallait flat, il en fallait dans l'air, etc. Il y a une spirale perpétuelle qui vous mettez un peu partout. Cause-moi un peu de sa spirale là, c'est quoi ce motif là? La plupart mon dessin, enfin presque tout dessin là, il y a une spirale en différentes facettes, en différentes formes, en différentes couleurs aussi. Sa spirale là, c'est un goal pour nous. Un but quand on focus un focus point ça mais ça me fait tirer presque dans nous l'hygiène même m'a dit et nous mon vie dit avec ça ça lui déjà vision ça vient nous vient focus nous aim nous goal nous achievement comme à dire. Contrairement à un tableau ou une sculpture, il y a un côté plus figuratif, même s'il y a un peu abstrait bien sûr, mais il y a un peu plus d'éléments figuratifs et surtout il y a un personnage qui dans un tableau c'est l'abstraction, mais non, l'être humain n'est pas trop présent, mais dans une sculpture, il est vraiment axé sur l'humain. Alors justement, comment aux sculptures finalement il y a une autre facette de travail d'artiste? Quand on prend un bois, quand je travaille avec un bois, je n'ai pas aucune idée dans ma tête. Parce que je prends ce bois-là, je commence à nettoyer. Quand je nettoie, je trouve différent. Ce bois-là même qui donne-moi l'inspiration. Quand vous trouvez certains bois qu'on pourrait marquer, qui ne sont pas peur quand un bois a certaines fissures, certaines pourritures, certaines bosses, certaines lignes. Ça, au contraire, aide-moi beaucoup pour nous faire une conversation en ce petit bois-là. Qu'est-ce que ça porte, cette sculpture-là? C'est pourri, ça. Mais moi, ça va être pourri. Je n'ai pas hésité aucun moment qu'il prenne ce petit bois-là, que j'ai besoin de choisir un bon petit bois. Je prends n'importe quel petit bois, je donne sa valeur. Sa pourriture-là même, je donne sa valeur. Je traite ça et les autres aussi, quand il y a certaines pourritures dans le coin, je tiens à ça me fait une forme. Et la tête là, il y a une forme de pli présenté, un semi-abstrait dans la sculpture là. Mais tandis que les tableaux sont presque abstraits. Je suis content de faire ressortir la ligne aussi dans le tableau là. Ben là, vous pouvez trouver dans tout mon tableau presque une différente qualité de la ligne. Et dans la ligne contour, et dans la ligne courbée, et dans la ligne bien droite, et dans le zigzag qui peut aller. Mais chaque la ligne, elle a sa signification, sa expression différente. Mais comment dire, courbe, la ligne, c'est qui fait comme ça, enfin, les contours. Ça montre que nous, personnes, nous avons beaucoup de difficultés dans la vie. Nous n'avons pas besoin de décourager. Nous avons besoin de faire face à ce qui vient pour succès. Et ce qui est droit là, ça veut dire que nous pouvons parfois il y a du monde sur facilité qui vient dans la droite. Mais nous avons beaucoup de touché avec la mythologie aussi, la religion.
et puis dans sa même table là, qui ont besoin d'atteindre, ou besoin de certains devoirs, ou besoin dans la tête pour atteindre salvation, liberté, comme ça. Ou besoin de faire du bien, souvent. Ben, pas, tout cas, été différents ben, objets dans mon tableau, par ici, par là, ça m'a un obstacle qui est là. Ou besoin d'éviter, ou besoin à point your goal, your aim, you just go directly. Mon tableau m'a fait servir beaucoup d'objets qui m'ont fait trouver dans l'environnement. Ça veut dire ça, objet là, peut-être tu peux jeter ailleurs, pas tu peux dans ce valet. Comment vous trouvez dans la côte? Il y a beaucoup d'objets différents, différentes qualités qui peuvent relever mon tableau, qui peuvent ajouter sur l'esthétique side et qui peuvent donner moi une profondeur bien dans sa dans une surface là et surtout il peut ajouter un peu plus de profondeur, un peu plus de beauté, un peu après ça, ça objet là tu peux le jeter ailleurs. Il bénéficiait du soutien de la National Art Fund dans le cadre de sa exposition là. Est-ce que tu as déjà justement un peu plus slow là voilà comment fin approche de et comment justement ça l'aide là finit pas concrétiser aujourd'hui dans sa exposition. Enfin, d'abord, moi, je suis content de remercier National Art Fund qui fin penser pour aider les artistes sans exception. Ou trouver les fin aider, les peut aider la musique, filmmaker, théâtre. Et même nous, artistes, créateurs visuels. Depuis combien de temps est-ce qu'il y a eu justement, ou à de nous alors, ou faire une exposition et qui a fait qui motive vous? Est-ce qu'il, parce que nous connaissons Maurice, bon, ben, je ne sais pas nécessairement, je ne sais pas, je suis content d'affaires, mais je ne sais pas, bien joli, mais je ne sais pas nécessairement, c'est ça là même. Alors, qui a fait qui motive vous depuis combien de temps vous pouvez faire ça d'abord, mais justement, qui a fait qui motive vous pour continuer jusqu'à aujourd'hui? Motivation, ça divine depuis l'école primaire même. Et ben aîné dans l'environnement qui tu peux faire dessin, la peinture et dessin pour cette école, pour cette leçon, ça a une influence moi beaucoup. Et moi comme moi rentre là-dedans, moi commence plus donne l'intérêt là-dedans. Les là moi trouve des appréciations qui viennent dans l'environnement, je vais dire ah c'est bien mais après ça moi fais un premier travail moi tu prends dans un collège secondaire privé où tu donnes moi une grande classe que tu bien jeune, moi, tu prends 18 ans. Ça, à l'époque-là, 18 ans, tu peux prendre. Quand je commence à travailler, je trouve que beaucoup commencent à procès. Je finis de réussir à influencer. Après la première exposition, je fais pour lui-même. Là, je fais la seconde municipalité pour lui. Je finis de continuer dans cette route-là. Parce que toute municipalité voit quoi. À cette époque-là, j'ai une galerie Max Boulay avec monsieur artiste monsieur Ganti, j'ai souvent de frère et tout. J'ai fait une exposition ensemble. Et plus tard, le salon des mets fin créé, puis tôt, après, la salle des artistes fin créé. Tout me fin de quand j'aurai l'occasion, je ne pas quitter, je ne prends pas. La première solo que j'ai fait dans la campagne, après ça, je viens faire solo l'Alliance française. L'Alliance française, je viens faire un grand solo là-bas aussi, je me trouvais bien. Après, je viens continuer mon route comme ça, plusieurs solo, en sculpture et la peinture.
faire plusieurs expositions dans les pensées, moi. Donc, même je faire dans l'Inde, solo exhibition. Thaïlande, je faire solo exhibition. Et en groupe, je peux faire 40 expositions extérieures, dans niveau national, international. Et mon collection trouvait beaucoup de pays. Et je fais des livres aussi dans les sketchs. Mon livre là, la même. Et je fais le livre Indian Immigrants. Là-dedans, je fais des caractères, des grands-parents. Comment la façon de vivre dans ça, Indian Immigrants là. Mes parents, comment tu viens, après j'ai gardé. Et 90 dessins, je suis exposé à SSO Galerie 4 Bones. Ben, avant, tu es un peu difficile pour exposer. Mais parce que nous-mêmes, nous avons payé nos halls, tout, réception, tout. Mais c'est un peu difficile. Mais quand même, moi, pas, tu peux hésiter aucun moment pour travailler. Mais au contraire, la case de Dieu, tu peux penser qu'il se trouve beaucoup là-dedans. Je me disais, non, ça m'a l'amour, ça m'a tout. Je n'ai pas mind parce que je trouve enfin, un plaisir, un grand plaisir pour moi là-dedans. Encore un livre, je me tirais le Madoubani. Painting style. Là-dedans, je fais une dépique de dos. Ben, de dos, différentes facettes, différentes actions qui sont de dos qui peuvent faire. Je peux organiser une autre exposition bientôt. En septembre, j'ai besoin de finir, faire dans 6 mois, j'ai besoin. Ça n'a pas le même tableau. J'ai besoin de faire encore, je peux penser, 25 tableaux pour une dizaine de sculptures. J'espérais que je réussisse à faire là-dedans. Et je peux dire à mes autres artistes qui ne jamais pas découragés. Parce qu'ils ne jamais pas découragés. Parce qu'ils vont mettre des pieds là-dedans, quand on commence là-dedans, peut-être qu'ils peuvent gagner un peu d'obstruction. Ben, ou pas besoin de payer, ou aller de l'avant. Un tableau qu'on peut faire, pas nécessaire. Tout personne, tous les gens qui peuvent compter ce tableau-là. Parce que chacun se différent goût, chacun se différent soin. Peut-être ce tableau-là, l'autre pas peut content. Peut-être un autre pour le content. Ou pas besoin de regretter ce qu'il y a dans l'idée, la façon qui, ou envie expresser. Ou expressif dans sa longue créativité là. Pas aucun moment, pas découragé, ou aller l'avant, ou créer une table. L'exposition Vision et Espace prenait fin le 29 mars. Vous pouvez bien sûr rester en contact avec l'actualité artistique de Jayan Sadasing via les réseaux sociaux. Voici les coordonnées. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette édition. Voici, avant de se quitter, quelques rendez-vous à ne pas manquer. L'exposition de Jessie Goria, entre déchirure et réconciliation, se poursuit jusqu'au 20 avril à la case Flamboyant. L'artiste vous propose une collection impressionnante de collages réalisés à partir de papiers récupérés. Après avoir exposé Picasso, le musée Blue Penny propose une exposition unique consacrée à Matisse. Du 15 avril au 15 juin 2022, vous aurez l'occasion d'admirer quelques-unes des œuvres de ce grand maître de la peinture du XXe siècle. L'exposition s'inscrit dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire et l'entrée est gratuite. Max Anish Gauria remet ça à Imaya Phoenix. Fort d'une riche expérience en Italie, il nous revient avec un solo qui prend fin le 25 avril.
Du 15 au 17 avril, dans le cadre du World Art Day, 23 étudiants de l'École des Beaux-Arts du Mahatma Gandhi Institute proposent une exposition au Hennessy Park Hotel. Toujours dans le cadre du World Art Day, l'ACA, ou Action pour la créativité artistique, propose une exposition à partir de ce 15 avril qui sera visible jusqu'au mois de mai à l'Espace L'Art, au centre Nelson Mandela pour la culture africaine à la Tour Koenig. Photographie pour finir, Brahms Mahadia, vétéran de la photo, célèbre ses 50 ans de carrière à travers une exposition au Mauritius Institute ou Musée de Port-Louis qui dure jusqu'au 30 avril. Point final à cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Profitez de notre paysage culturel en prenant les précautions d'usage. À la prochaine, restez en ligne.